Ben c'est Péo. Moi, c'est Marina. Et on a... Miguel. Mon amoureux. C'est ta première vidéo. Première vidéo. Ben officielle, parce qu'on avait fait notre vidéo de voyage où est-ce que Instagram décidait. Kira. Allô, ça fait tellement longtemps que je veux faire cette vidéo-là, mais ça me prenait un chum. Puis ça me prenait... Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser des questions, puis c'est le best friend against the boyfriend. Puis c'est qui des deux qui me connaît le mieux. C'est sûr que Marina, elle a une longueur d'avance, puis ça fait plus longtemps qu'elle me connaît. Mais j'écoute beaucoup, par exemple. Oui, mais moi, c'est je suis sûr qu'il va gagner. Ah ouais? Non, mais lui, là, j'ai dit quelque chose, genre, première fois qu'on s'est vu, là, aujourd'hui, j'y repose la question, il va savoir comment j'étais habillée, j'étais avec qui. Moi, je me rappelle même pas ce que j'ai fait hier soir. Ouais, j'ai ça. Tellement pas une bonne mémoire, là. Alors, est-ce que vous êtes stressé? Oui. Quand même. Vous écrivez votre réponse avec votre Sharpie, puis vous montrez votre réponse à la caméra. Première question. Je suis allée à l'école jusqu'en quelle année? 1, 2, 3, go! Cégep 1! Cégep 1 aussi. C'est la bonne réponse! Yes! J'avais commencé en fait la deuxième année, la troisième session, mais j'avais arrêté parce que j'étais parti au Japon, puis à Milan, puis je suis jamais retourné à l'école après. Ok, 1 à 1. Prochaine question. Nommez le nom de mon frère, ma soeur, mon père et ma mère. Ça, Mick, c'est sûr que le longueur d'avance, il voit tout le temps. 1, 2, 3, go! Ok. JF, Geneviève, Pierre et Lise. Bonne réponse. Geneviève, Bob, Bobby et Bobby Phil. Tu connais pas le nom de mes parents? Non. Attends, moi, je serais-tu capable de dire le nom de tes parents? Je pense que je serais même pas. Tu comprends? Ouais, c'est dur. Mais ton père, je le vois, je l'entends parler. Ta mère, je la vois, je l'entends parler, mais c'est ça. Non. Ton frère, je l'ai jamais vu. Jean-François, mais oui. Qu'est-ce que tu veux? Ok, ouais, un point pour Miguel. Mais quand même, est-ce que je pourrais avoir un point pour les parents, Bob, Bobby? Non, pas vraiment. Non, mais ça, t'as dit ça parce que elle, là, son frère s'appelle Maxime. Maxime, Marina, Marika. Avec Joanne et Jacques, mes parents. On les salue d'ailleurs. Quand je prends une liqueur, c'est quelle liqueur que je bois tout le temps? Je veux la réponse exacte. Go! Coke Diet! Coke Diet! Ah! Bravo! Ok, quand je vais dans un bar, c'est quoi le drink que je commande tout le temps? Ah non, mais pas ça. Hein? Non, c'est pas ça, pas en tout. 1, 2, 3, go! Je sais pas, mais okay. Des fois c'est ça. Gin 7-Up et toi? Moi j'écris Gin Tonic avec le bon gin de Pitoun Fenty. Mais ben, ça me prend des Gin 7 des fois. Ok, ah ben j'ai jamais dit c'est quoi la bonne réponse. Hein? C'est quoi? La bonne réponse c'est un Gin 7-Up. Oh yeah! Mais avec toujours le meilleur gin Le bon gin de Pitoun Fenty. Alors je vous donne chacun un point. Yes! Ok, prochaine question. Quel était mon nom de drag queen dans ma série Fier de toutes les couleurs que j'ai faite cet été? Pour rendre hommage à la communauté LGBTQ. J'avais un nom. T'avais fait drag queen. Voter les gens. Oui. 1, 2, 3, go! Lemonade Queen Phoenix! C'est ça! Non, mais j'ai dit, je me rappelle que le poste est en jaune. Hein? Ouais, bravo. Mais c'est ça, ça prouve que je lis pas tant. Ben oui. Prochaine question. Qu'est-ce que je porte sur ma photo Instagram de profil? Tu sais, le petit rond, là? Qu'est-ce que je porte? Il me fucking nice, ce gars-là, c'est ça. Okay, tu le sais, tu? Ben oui, je vois dans le très précis en plus. C'est stressant. Vos réponses, tournez. Une chemise comme toujours, un manteau jaune, tu comprends? Mon dieu, t'es bon! Mais, mention quand même que Pio porte tout le temps des fucking chemises. Pas aujourd'hui. Mais c'est pas tant vrai, ça. T'as changé dans la dernière année. Ça se peut, mais avant, je mettais comme un t-shirt avec une chemise par-dessus, genre. On va garder la thématique vêtements. Quel est le morceau de linge que je porte le plus souvent dans lequel vous me voyez? Je veux vos réponses dans 3. Attends, j'ai pas fini d'écrire. 2, 1. Faut que ce soit précis. Des jogging. T-shirt blanc cos. Des jogging et la réponse. Avec la poche basse. Je les ai sur moi, c'est faux! Ben ouais, yeah! Ton t-shirt blanc, tu le portes quasiment à tous les semaines. Non, ça faisait longtemps. L'été. Mais ça, là, je mets. Puis ça fait 4 ans, la marque Left and West. Je les adore. Je les adore. Ok, ça c'est vraiment drôle. Je savais que mon sommeil est très important. Oui. C'est quoi les deux choses que j'ai absolument de besoin d'avoir pour bien dormir? Alors, on a une femme et des huiles essentielles. Ok. Moi, je suis allé avec une crise de femme. Puis un loup. C'est vrai, il y en a peut-être trois. En fait, c'était pas ça les bonnes mais réponses. Mais la crise de femme, il y aurait un non, point mais, béni ici. Ouais. La crise de femme est bien importante. C'est dur cette femme-là. Mes huiles essentielles que je mets à tous les soirs aussi. J'ai mon loup aussi, mais ce que j'avais en tête, non, c'est mes crèmes.
faut, je suis pas capable de me coucher sans m'avoir mis de la crème. Il sent bon. Faut que je me, ouais, faut que je me lave et que je me mette de la crème. Donc, au coup point, vous me connaissez mal. Ok, quand je prends des selfies avec le monde ou tout seul, c'est quoi l'expression faciale que je fais tout le temps et que je suis plus capable de faire ça? Ben ça, ça se marque pas tant. Ben, moi je le sais. Ok, pas. Là vous l'avez écrit, ouais. Mais là à gauche je veux pas vous montrer votre réponse. J'aimerais ça que vous me fassiez la face, ok? Ok. Ok, dans 3, 2, 1. Ah! Ah! Chérie d'habitude. Mais oui, il est vrai. La bouche verte en sourire de gossa. C'est bon ça. Oui, c'est vrai, c'est genre la main. Oui! Je sais pas pourquoi je fais ça là, ça gars. Ça c'est quoi? Un gros rire fake. Mec, j'adore, j'adore. Ok, un point chaque là. Ça c'est plus dur. Ok. Quel travail j'aurais aimé faire si je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui? Gueule, t'es quoi? Des amis à l'intérieur. Des amis à l'intérieur. Tu savais pas ça? J'avais pas ça. Ouais. Je voulais m'en aller désigner à l'intérieur. Ça aurait été bon. Ben écoute, je ou d'avoir un petit fleuriste là. Ouais, ou à paysagement ouais. Intérieur. Ouais. Ça aurait été son truc. Peut-être. Moi pas. J'allais dire producteur au contenu parce que c'est tellement créatif, mais... Aussi, ouais, en télé. Ok, je veux savoir, nommez-moi le nombre d'os que je me suis brisé sur le corps dans ma vie. C'est sûr qu'il gagne. Ah, le plus proche gagne. Alors, je veux une réponse dans 3, 2, 1... 3. Ah! 3! J'ai écrit ça aussi! La réponse c'est 0! Je me suis jamais rien brisé. C'était comme une question piège. Ben oui, hein? Ça a l'air que j'ai un rire assez spécial. Tout le monde rit toujours de mon rire. Alors, vous allez m'imiter mon rire et c'est lui qui m'imite le mieux qui va gagner le point. Ok, je m'essaye? Ok. Vas-y. Ça, des fois, je fais ça. Ouais. Mais c'est faut que je ris, là, j'essaie de dire. À... Mais toi, tu l'as vraiment bien eu, là. Ok, 2 points, Marine. Yeah! C'est 2 points. Ouais, j'avais oublié de le dire. Ben là. Tu vois, les mines, c'est comme dans le crânium. C'est ça, ça vaut. C'est la chanson. Ça vaut plus de points. Ok, prochaine question. C'est quoi ma pire mauvaise habitude que j'ai que je ne suis pas capable d'arrêter? Je pense que c'est. De manger les ongles! Bravo! Je suis tellement talent. C'est ma résolution à chaque début d'année. Je suis jamais capable de la réussir. Quand je vais au McDonald's, je prends toujours des croquettes. Oui. Quelle sauce je prends avec mes croquettes? J'ai une idée. Je le sais. Vos réponses? Barbecue! C'est une bonne réponse! Moi, je prends quoi? Toi, tu prends du miel. Oui! C'est la meilleure chose. Ouais, vous savez ce que j'ai essayé maintenant? Quoi? Double tramping. Double tramping. Ah! De miel, deux sauces? Miel barbecue. Ching ching. Ah, ouais. Ça, j'aime pas grosse ça. Grossecochon.com. Ok. Ok, je fais ça. Ok, prochaine question. Où suis-je allé faire du snowboard en janvier dernier? Vos réponses? Colorado. Alpes-France. Non, c'est pas en janvier. Non, les Alpes, c'était au mois de mars. C'est en mars. Ouh! Bravo, là, Marine. Je savais qu'il y avait une colle. Je vais juste vous dire que c'est 10 à 10. Oh, alors, my god! Maintenant, on change, ça va aller vite. C'est 5 questions, vrai ou faux. Première question. J'ai déjà coulé une année à l'école. Faux. Faux. Bonne réponse. Merci. Je n'ai jamais fait de blanchiment de dents de ma vie. Qu'est-ce marqué? Vrai. Faux. J'ai déjà eu un blanchiment. C'est faux. Donc, c'est faux. Un point, Miguel. Donc, tu vends du rêve sur les réseaux sociaux. C'est ça. Non, c'est avant que les réseaux sociaux existent. Écoute, ça fait vraiment longtemps, ça doit faire genre 12 ans. Je n'ai jamais eu de carie de ma vie. Je sais pas pourquoi, là, c'est un thème buccal. Je l'ai. Vrai. Faux. J'ai jamais eu de carie de ma vie. Toi, tu dis que j'en ai déjà eu. Ouais. J'en ai déjà eu, ma belle. T'en as pas eu la semaine passée? Non, j'allais faire réparer une carie. Moi, est-ce que j'en ai déjà eu? C'est sûr que oui. Jamais! Mais non! Jamais! Jamais de carie? Mais moi, j'ai pas trop peur, ici. Ah ouais, mais c'est une question de peur. Non, mais je sais pas une question de peur, mais en plus, j'ai tellement peur que je suis bien contente. Fais-tu beaucoup de tartes? Non. Souvent, le monde font beaucoup de tartes, font pas de carie. Hein? Non, je fais pas beaucoup de tartes. Pourtant, j'ai des belles dents. T'as carré à avoir un dentier, hein? Dentier à 25 ans. Je t'avoue. Mais oui, regardez.
C'est ça. Et là, la dernière affaire, c'est question en rafale. Ok. Je vous donne deux choix, vous me dites si je suis plus un choix ou l'autre. Okay. Vous allez me le crier. Ok. En même temps? Ouais, en même temps. Première question en rafale, vanille ou chocolat? Chocolat! Vanille. Chocolat, un point Marina. J'aimerais ça qu'on dise notre réponse fort avec enthousiasme. Parfait, je suis prête. Deuxième, vin ou bière? Vin. M&M ou Kit Kat? M&M. Kit Kat. Tu n'as jamais vu manger de Kit Kat. Tu n'as jamais vu manger de Kit Kat, t'as tout le temps des M&M. Ouais. Si on me donne les deux devant moi, je choisis la Kit Kat. Pourquoi? Ben ouais. J'étais sûre que moi, c'est M&M ou Peanut all the way. Popcorn ou jujube? Jujube. Film ou série? Film. Ben non. Série. C'est Là, depuis qu'on a fait notre bon, vidéo, depuis qu'on a fait notre vidéo d'Halloween, j'écoute La Casa de Papel. C'est comme... La Casa de Papel. Hey, c'est tellement bon là. Café ou thé? Café. Et c'est dur ça. Je sais même pas c'est quoi la bonne réponse en fait. Ben, donc, on va vous donner un point chaque. Non, mais le matin, c'est sûr que c'est toujours un café. Puis après ça, tu fais du thé que tu mets dans le frigo. Après ça, je prends mon thé, t'es glacé. Je veux juste vous dire qu'il reste 4 questions et c'est 16 à 15. Très serré. Et Mig à l'avance. Mig à l'avance. Mon jus d'orange. Avec ou sans pulpe? Avec. Avec. Est-ce que c'est votre réponse finale? Oui. C'est une bonne réponse! Ok, prochaine question. Cheeseburger ou pizza? Un, deux, trois. Cheeseburger! Pizza. Oh. Cheeseburger. Hein? J'ai jamais mangé de cheeseburger. Ben non, mais si tu mets un cheeseburger puis une pizza, je vais prendre le cheeseburger. C'est égalité! Il reste deux questions. Vous êtes prêtes? Ouais. J'ai une réponse tout de suite. Okay. Katy Perry ou Lady Gaga? Lady Gaga. Oh my god! Ça prend une autre question parce que là c'est ex-éco. Ouais, là c'est ex-éco. Dernière question pour le gagnant. Là c'est bien si on met les deux choses devant moi, qu'est-ce que je prends en premier? C'est ça le principe du jeu, ok? Pomme rouge ou pomme verte? Pomme verte. Rouge! La bonne réponse. J'ai aucune idée. C'est pomme verte. Yes! Mig is the big winner! 19 à 18 pour mon beau Miguel. Mais c'était très serré. Ah mon dieu. C'était très serré. T'es très bonne, Marie. Tu m'as surpris. Ouais, tu m'as surpris. Et là, je vais juste te dire que juste avant, je vais t'avouer quelque chose. Juste avant d'enregistrer la vidéo, je suis allée sur ton Instagram pour revérifier que ta fête était bien le 22 septembre ou quoi, tu me donnes la date. Mais j'ai failli le mettre tantôt, lui il est tellement bon avec les dates. Ouais. Avez-vous aimé mes questions? J'ai adoré tes questions. C'était le fun, hein? C'était un beau moment. Hey, si vous avez autant aimé ça que ces deux-là, allez donc donner un petit thumbs up à la vidéo. Puis Puis là-dessus, il m'a laissé les deux la bird ensemble ce soir. Puis moi, je m'en retourne tout seul avec Cam. Mais ouais. Alors, ça va manger chez Alicia Moffett ce soir. Je sais, mon Dieu. Avec la femme. On se fait un petit. Toi, tu ressuscites. Tu ressuscites, on t'invite pas. Bon, c'est ça. Hey! Bye bye! Ciao!